Donc on va continuer avec une autre, un autre style complètement différent. On va basculer sur un autre style, mais alors voilà, là on remonte le temps, on part dans les années 30, du côté d'Edith Piaf, des reprises, plus vraies que nature. Ce groupe a une sensibilité tout particulière, il arrive à reproduire le climat des années d'antan, donc on remonte le temps avec une époque qu'on croyait disparue. Ils sont armés d'un accordéon, d'une clarinette, d'une guitare. Ils s'appellent Les Moineaux de Paris. Et là, on peut les écouter, on peut survoler donc, les toits des faubourgs d'antan avec un extrait de la Java bleue, Les Moineaux de Paris, qu'on écoute tout de suite. On y va. La Java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Voilà, la chanteuse s'appelle Caroline Sampé. Hein, vous pouvez valser ou javaser avec elle. Donc c'était la Java bleue de Moineaux de Paris. Je vous avais pas menti, c'est très ressemblant. C'est pas d'époque, c'est vraiment fait aujourd'hui, en 2018. Et c'est un groupe très original. Donc de temps en temps, ça fait du bien de retourner. Donc je vous ai dit qu'on va se calmer hein, pour cette rentrée. On va prendre les choses avec gaieté philosophique.